Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une bonne habitude que j'ai. Il s'agit de l'acte d'offrande parfaite. Je récite cette prière après avoir communié. Et il paraît qu'en la priant souvent, on peut obtenir une grande gloire au ciel. Je vais vous la lire. Père éternel, par le cœur immaculé de Marie, le cœur très chaste de Saint Joseph et le cœur sacré de Jésus, nous vous offrons 33 000 fois avec tous les anges et tous les saints, le corps et le sang, l'âme et la divinité, la sainte face et l'amour eucharistique, toutes les blessures, larmes et souffrances de votre très cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ que nous aimons tant, en union avec les larmes, les douleurs et l'amour de la très sainte Vierge Marie, les mérites des anges, des saints, de toutes les messes passées, présentes et futures, des saints rosaires et autres prières, et dans les plaies de Jésus-Christ, notre propre néant avec lui, en lui et par lui, en réparation des péchés du monde entier, pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les cardinaux, les évêques, prêtres et consacrés, pour les pauvres âmes du purgatoire et pour toutes les âmes qui nous ont été recommandées. Amen. Seigneur, exaucez-nous. Alors je rajoute aussi quelques intentions, donc toujours après avoir communié. Convertissez tous les pécheurs, donnez-nous la paix, sanctifiez la création et toutes les âmes. Alors c'est mes intentions, hein, mais je prie différemment. Bien sûr, vous pouvez modifier cette prière selon votre cœur pour mieux la faire vôtre. Et voilà, soyez bénis.